On va gonfler à la fois à l'aide des deux ventilateurs, un de chaque côté. Okay, ça va être important de ne pas rester dans les axes de ventilateur, simplement parce que si jamais l'hélice se défait, c'est plus dangereux de recevoir du bois dans le côté que si vous êtes en avant ou en arrière. Okay? Donc à ce moment-là, on fait juste attention au ventilateur, on essaie de garder une bonne distance en avant et en arrière aussi. Vous allez voir, ça tourne pas mal en arrière. Donc même chose de chaque côté, les deux ventilateurs, c'est la même chose aussi. Donc on fait attention de chaque côté. On fait attention au mouvement d'équipement, okay, si ça bouge, on va faire attention parce qu'il se passe. On ne traverse jamais ici en avant, jamais entre les deux non plus. Pendant le gonflement, il va avoir besoin d'une personne de chaque côté qui va tenir l'ouverture ouverte, okay, pour laisser pénétrer l'air dans l'enveloppe et puis permettre au ballon de se gonfler. Okay? Lorsque je vais vous faire signe, on embarque, ça m'en prend trois en haut ou en bas. Okay, on va vous séparer ça comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais on embarque ceux d'en haut en premier. Ensuite, ceux d'en bas, pour être sûr que ceux d'en bas ne se fassent pas casser des dents avec ceux d'en bas. La façon d'embarquer, OK? C'est plus... Vous embarquez. Deux pieds au fond. Mesdames, sacoche, sac, tout ce qu'on n'a pas besoin. Ouais. Dans le camion, le camion va nous récupérer tantôt, il nous suit. C'est le même camion, fait que ce qu'on n'a pas besoin, on délaisse du poids le moins possible. C'est ça. C'est bon? Oui. Fait que ça me prend une personne à gauche, une personne de l'autre côté. C'est vrai, c'est cancan que si quelqu'un parle en bas, on l'entend mieux que... On l'entend, oui. Ouais. Ça va. Ça dépend à quelle hauteur on est. Hein, mais ouais. On l'entend. À quelle hauteur, à peu près? Nous, on est à 1500. 1500. Puis le plus haut que vous montez habituellement, c'est... C'est pas mal ça, 1500, oui. 2000. Ouais. Ouais, on joue dans ces coins-là. Okay.
Ça fait longtemps que vous faites ça? C'est ma cinquième étape. Oui? Ah, oh, ben une belle job d'été. Oh. Vous voyez du paysage? Ouais. C'est bien. Moi, j'ai d'ici. C'est sûr que ma région, c'est ici. Côté facilité de vol, la région de Québec est plus facile à voler parce que, pas qu'ils volent plus souvent, au contraire, ils volent peut-être moins souvent, mais il y a beaucoup plus de terrain d'atterrissage. Tu sais, ici, on n'atterrira pas dans la grande culture, on va atterrir dans des champs de foin. Ah, OK. Il y a beaucoup plus de champs de foin à Québec. C'est dans les vallons, tout ça, la grande culture est moins propice. Tu sais, les terres sont moins propices à base de la grande culture. OK. Fait qu'à ce moment-là, mais ils font du foin, on a des vaches à lait beaucoup. Ici, les vaches à lait, ils commencent à disparaître tranquillement. Ah oui. Et puis, ça fait place à la grande culture due aux bonnes terres de la Montérégie. Donc, c'est ça. Fait que le foin, là, il y en a en bas, là, mais il y en a moins en moins. Là, c'est terrain vert, on en voit. On a là-bas, là, ça c'est le Mont-Royal. Montréal. OK. Un petit peu en avant, vous avez la rivière Richelieu ici qui est Saint-Jean. Oui. En arrière de vous, vous avez la baie Missisquoi à gauche, Lac Champlain, toutes les États-Unis. Ah. Là, c'est tout ça. Les Ioniennes qu'on voit dans la montagne, là-bas, c'est Plattsburgh. Ah, c'est loin. Plattsburgh, là-bas, là-bas. Ensuite de ça, Saint-Bruno au fond, là. Saint-Hilaire. Saint-Grégoire qui est en avant. Ensuite. Ah. Après ça, Rougemont. Oui. Puis, En bas, là, c'est une tourbière, ils font du gazon. Ah, OK. C'est ça qu'ils l'ont coupé. Oui. Une tourbière. C'est bien coupé. Ouais. C'est pas regardez les chevreuils en bas là. Oh oui, il y a deux. Wow. Hey, juste là, ils sont même couleur que la terre. Mais voyons. Wow. On dirait des petites fourmis. C'est bien, hein, les carrés, là, les couleurs oui. Vert, oui. Couleur terre. Oui. 30 secondes de votre attention pour l'atterrissage tantôt, OK? Bon. 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 Le devant du ballon, c'est oui. Le côté où il y a la corde ici okay, qui arrive. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se retourne vers l'arrière. Donc tout le monde, on regarde en arrière. On va le pratiquer une fois pour que tout le monde soit à l'aise avec. Comme ça, là. OK. Vous avez des poignées à l'intérieur. Okay? Oui, vous oui. Les poignées. Oui. Et puis vous allez vous baisser la tête comme à la hauteur ça. De bord, exactement. Ça ressemble à un petit terrain de camping, ça. De? Camping, non? Où, ça? Juste ouais, en avant, ouais, là. Ouais. Ah! Ah, ben oui. Ici, hein? Oui. Là, on est à quoi? 1500 encore? Oui, 1700. 1700. Je vais passer ton chapeau, je vais te filmer juste deux minutes parce non. Qu'on ne voit pas. Mon mari m'a filmé. Ah oui? Oui. Ah, oh, OK, c'est parce correct. Que j'aurais pu non, c'est beau. Prendre merci. Un plan, là, juste. Ben, ça, on n'a pas été assez grand. Il faut tout emmagasiner ouais. Dans notre tête. Et c'est comme ça. Ah, oui. Dis, ouais, Colin, je vais descendre, puis là, je vais me dire. Le bassin qu'on voit là, c'est le bassin Chambly. Hein. Là, là? Ouais. Ah, OK. Là, on la voit comme il faut le terrain de camping. Hein. Ouais. Mm. Ah, ben il faut faire. Ouais. Si? Un petit lac, une piscine. Ah. Il y en a qui se baignent là? C'est une plage. Oui. Ben oui, ah, il y a une ben plage. Oui. Hein. Ah, que... Mm. Je sais pas, j'aurais pas qu'il y ait trop de grenouilles. Ça me l'eau, c'est quel monde? Oui, ici. Ça, c'est
c'est le mont Saint-Hilaire. Ah, Saint-Hilaire. C'est beau, hein? Hey, on dirait qu'ils ont fait ça avec une spatule. Oui. Hein, c'est égal. C'est oui. Beau. Je viens de vivre une super expérience. Mon premier vol en montgolfière. C'était mon cadeau de fête de l'an dernier. Mais dû à une météo capricieuse, le vol a été remis à plusieurs reprises. À part lorsque le brûleur de gaz propane réchauffe l'air du ballon, toute l'envolée n'est que calme, paix et douceur. Au départ, la nacelle quitte le sol sans que tu t'en rendes compte. Vu d'en haut, les paysages sont magnifiques. Des champs de diverses couleurs ont l'air d'un gros damier. T'as souvent l'impression de faire du surplace. Notre groupe de voyageuses était amusant et Jacob, pilote depuis de nombreuses années, fut très intéressante par ses remarques et ses renseignements. L'atterrissage fut à l'image du périple, tout en douceur. J'ai adoré mon expérience et réalisé un rêve que je caressais depuis longtemps. Il y a l'air d'avoir un chemin là, là-bas où il n'y a pas de poteau électrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer de viser le chemin. Si on est capable de se dégager chemin. De la ligne électrique en dessous, là. Ah. Ce qu'on devrait faire, c'est prendre la gauche tranquillement au sol. On voit toutes les traces du tracteur. Ah. Ils vont aller voyez-vous dans... Voyez-vous le chemin, là, le camion, ouais. Il est dessus. Ouais. Ah ben oui, regarde, que, là-bas, ils sont là, là. Je les vois là-bas. Comment tu cherches dans le champ? Pas dans le champ, mais attendez-moi sur le bord de la route, on va arrêter notre tour. C'est bon. On va s'accoter dans le fossé, je vais vous laisser traverser le bord. Là, on se penche-tu ou quoi? Regardez votre poids, on se penche. Encore? T'aurais eu plus d'espace à 10. Ben non, à ce moment-là, on tourne en avant. Bon, je sais pas, on fort à quatre pattes. On tombe dans le fossé. Coucou! Les cachettes. Wow! Ça a-tu été bien? Oh oui, super! C'est merveilleux! Oui, 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 vraiment! J'avais manqué quelque chose! J'ai pas eu froid du tout, non. Du tout, bon, non! Faut pas passer okay. Par-dessus! Non, je vais enlever ça d'abord, là! Ouais. OK, on va prendre le bord de la porte. Okay. On va élever.